Tous. Et oui, vous l'avez deviné, ici nous ne sommes pas au bord de la Zergue, ma rivière préférée. Nous sommes au cœur de la forêt de Troncé, au Fond Fraîche, qui est un petit ruisseau qui débouche sur une souille où les animaux viennent se désaltérer et s'enduire de terre pour ce qu'ils souhaitent. Mais c'est pas pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Dans la plupart de mes vidéos, je vous parle de la beauté de la biodiversité autour de la Zergue. Mais je vous parle aussi de la fragilité de cette biodiversité. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour vous illustrer cette fragilité. C'est l'histoire de la bergeronnette des ruisseaux. Mais comme d'habitude, une petite fiche pédagogique au préalable pour ne pas la confondre avec la bergeronnette printanière. Allez, allons-y. La bergeronnette des ruisseaux a le croupion et les suces caudales jaune olive. Son dos, le manteau et une partie de la couverture sont gris. La queue et les rémiges, ces plumes longues qui facilitent le vol, sont noires et blanches. En période nuptiale, le mâle porte une bavette noire. La bergeronnette trouve sa nourriture sur les cours d'eau, principalement à base d'insectes. L'oiseau pèse entre 14 et 22 grammes et sa longévité est de 3 ans environ. Le couple fait 2 nichées dans la saison. Tout a commencé ici. À deux pas de chez moi, dans ce marécage mystérieux où la ganilule poule d'eau marche sur l'eau. Elle vient troubler mon affût par son élégance colorée et le hochement permanent de sa queue, la bergeronnette des ruisseaux. De la taille d'une mésange charbonnière, petite, fragile en apparence,
mais toujours vive et agile, elle anime mes longues heures d'attente à proximité des embâcles du Martin-Pêcheur. Elle apporte une magie particulière, finement ciselée, à cette rivière atone que je regarde presque monotone. À regarder la récolte des insectes, je devinais que les adultes nourrissaient une nichée de bergeronnettes, sans doute la première nichée de la saison. Après le nourrissage des oisillons et le repas matinal des adultes, j'assistais émerveillé à la toilette enfin sereine et particulièrement soignée des bergeronnettes. J'avais fini par ne plus les voir, mais leur vol ondulatoire, sans cesse répété, m'avait rappelé combien ces bois flottés étaient en fait leur lieu de vie offert à mon regard détourné. Chaque mouvement de l'oiseau était une jouvence, un plaisir renouvelé de l'observation. Pas très loin, sur le bras mort de la rivière, le héron cendré veillait à l'affût de la moindre nourriture. En silence, la canne colvert, tous les matins, passait devant mon objectif avec ses deux canetons. Je la connais bien, je l'observe depuis plusieurs semaines. Elle m'avait présenté ses 10 oisillons tout juste sortis du nid. Aujourd'hui, 8 ont disparu. C'est la cruelle loi de la prédation. Le héron peut-être, le renard aussi, ils sont nombreux à constituer la chaîne alimentaire. Ce samedi 8 mai, aux alentours de 7h30, je découvre une des premières sorties du nid d'un juvénile. Je ne sais pas s'il s'est volé, mais à l'observer, je comprends qu'il dépend entièrement de ses parents pour la quête de la nourriture, et ceci pour 2 à 3 semaines, si la nature lui en laisse le temps. Il reste là, sur le tronc de bois qui s'est affaissé en travers de la rivière, et ce qui me frappe, c'est son incroyable fragilité. Exposé qu'il est aux prédateurs du secteur. À ces expériences de picorage au hasard, je devine combien l'apprentissage de l'autonomie n'est pas si facile dans la vie sauvage. Comme le dit Sylvain Tesson, c'est la vertu de l'affût,
cesser de courir en tous sens et apprendre la patience. C'est ainsi que j'ai touché du doigt cette extrême sensibilité du monde sauvage. C'est en convoquant l'immobilité que, soudain, la vie s'est animée dans toute sa complexité et sa dureté. Cela devait arriver. Le 8 mai au soir, pendant 3 jours et 3 nuits, la pluie se mit à tomber sans s'arrêter. D'abord esthétique, puis orageuse. Ce ruisseau, cette rivière au débit peu perceptible et apaisé, devint tumultueuse, puissante et bruyante. Troisième jour, la puissance des flots avait tout emporté. Mon affût, les embâcles protecteurs des bergeronnettes, tout avait disparu. De tout l'été, ici, la rivière était restée silencieuse. Le chant des bergeronnettes s'était tu.